Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai un peu de mal à me remettre dans le bain de YouTube, je vous avais promis une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche, mais je vous avoue que j'ai du mal à me remettre dedans, la coupure a peut-être été beaucoup trop importante, mais bon là je suis allée faire quelques petites emplettes, notamment chez Action et chez Leclerc, puisque actuellement chez Leclerc c'est les jours beauté. J'avais pas besoin de grand chose avec le gros tri de la salle de bain que j'avais fait là cet été. Je m'étais bien rendu compte que j'avais énormément de produits de beauté, mais j'avais quand même besoin de quelques bricoles. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis allée chez Leclerc et je ne suis pas allée spécialement que pour ça. Je ne sais pas si c'est dans tous les Leclerc, mais en tout cas dans le mien à Niort, celui de Mendès France, vous aviez 70% de remise immédiate sur toute la gamme Swiffer. Et comment vous dire que j'ai légèrement craqué mon slip. Bref, j'ai acheté que quelques petites bricoles chez Action. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai repris une bombe pour les toilettes. J'ai l'habitude de prendre celle-ci. Elle coûte 98 centimes, je crois. Vous en avez des plus grandes à 88 centimes. Le souci, c'est que quand on appuie, ça sort en haut. Et je trouve que ça sort très mal. Et bien souvent, enfin, la seule qu'on a achetée, ça a crépissé le plafond, donc du coup on a abandonné l'idée. Celle-ci, elle est 100% fraîcheur nature, si je comprends bien. Et c'est senteur fleur. Bon écoutez, ça reste une bombe pour les toilettes, ça sent très bon, ça me va. Ensuite, on a un problème avec notre flexible de baignoire. J'ai changé la pomme il n'y a pas longtemps, que j'ai pris chez Action. Et depuis, on a le flexible qui fuit. Et donc, du coup, c'est une catastrophe. On n'a plus de pression. Et ça m'agace. Donc, du coup, j'avais dit que je racheterais un flexible de douche. Ça fait au moins 3-4 fois que je vais à Action comme ça. Parce que j'achète pas non plus énorme. Donc, à chaque fois, jamais de quoi vous faire un haul. Et du coup, là, comme je suis passée devant, j'en avais vraiment marre. J'ai dit, là, il faut que j'achète. Ça coûte rien. Je crois que c'était 2 euros, même pas 2,40 €. Donc, on verra. En tout cas, je croise les doigts pour que ça aille sur notre salle de bain. J'ai repris des sacs poubelles, c'est toujours les mêmes. On est à, je crois, un peu plus de 2 euros. Vous avez 20 poches, enfin 20 sacs de 50 litres. Et en plus, elles ont, vous savez, des petites poignées. Moi, j'aime pas les poches poubelles avec les fils. Et ça fait des années maintenant que je prends celle-ci, du coup, chez Action. Et j'ai trouvé deux petites décos pour l'automne. Je vais d'ailleurs bientôt faire ma déco d'automne un tout petit peu là, dans la grande pièce. Je vais pas oublier de vous filmer tout ça, vous inquiétez pas. J'ai trouvé des petites citrouilles, franchement elles étaient super jolies, trop mignonnes, j'en avais pas. Je trouve que ça fait automne et pas Halloween. J'aime pas la déco d'Halloween, clairement. Bon, pour le moment j'ai pas d'enfant, peut-être que quand j'aurai un enfant, eh bien tout ceci changera. Mais là actuellement, je veux pas mettre de déco d'Halloween, je préfère une belle déco d'automne. Donc voilà pour Action, j'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour 8,81 €, c'était 1,37 € je peux vous dire le prix, 1,37 € les petites figurines d'automne, le flexible de douche de 40, les poches poubelles de 59, 99 centimes la bombe la bombe désodorisante. Donc vous voyez, clairement, j'ai pas du tout craqué mon slip. Par contre, chez Leclerc, c'est autre chose. Alors, je me suis racheté un Swiffer Wet Jet. J'en avais déjà un et il n'avait pas duré très longtemps. Pourtant, on avait changé les piles, mais clairement, il n'avait pas fonctionné très longtemps. Pourtant, je trouvais que le produit, les lingettes et tout, c'était super bien. Et pour ma petite routine du soir, je trouve que passer un petit coup comme ça, rapide, au moins dans l'entrée et dans la cuisine, c'est super pratique. Il était donc à 19,80 € quelque chose. J'ai le ticket juste ici, mais vous retrouvez tous les prix. Je pense que ça va être compliqué. Il était à 19,65 € et j'ai eu 13,76 € de remise immédiate.
Je crois que ça le faisait à 5,85€. Donc clairement, autant vous dire que là, j'ai pas réfléchi. J'ai appelé Pierre, je lui ai demandé si on l'avait toujours. Il m'a dit non, on l'avait jeté parce qu'il fonctionnait pas. Quand je lui ai dit le prix, il m'a dit vas-y, fonce. Ensuite, du coup, j'ai acheté des recharges. Alors ça sera soit pour le Wedget, soit vous savez pour mon balai, le balai Swiffer vert classique. Clairement, ça valait vraiment, vraiment le coup. Puisque là, vous avez 20 recharges pour un parfum citron. Ça coûte normalement 7,45€ le produit. Et j'ai eu à chaque fois 5,48€ de remise. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Hop. Ensuite, j'ai repris... J'en ai pris deux plus petites parce que des fois Pierre aime bien laver ses motos avec ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que moi je les trouve relativement assez efficaces quand même. Et donc je lui ai pris un paquet de 10, en plus ça élimine 99% des bactéries. Donc là on était normalement à 3,92€ au vrai prix et ça a enlevé... Je sais plus, enfin vous faut déduire, comme il n'y a pas la déduction, ça a enlevé du coup 70%. Je crois que ça passait à 1,41€. Si je me trompe pas, parce que j'ai un petit peu fait mes calculs dans le. Comment ça s'appelle ? Ah, j'étais en train de me dire, je croyais en avoir plus deux, je n'en trouve plus. Donc voilà le deuxième. Ensuite, j'ai repris une recharge comme ceci. Donc. Juste, vous savez, de lingette nettoyante, enfin lingette de nettoyage, celle-ci, elle coûte normalement 4,69€ et donc, comme je vous ai dit, vous aviez 70% de réduction immédiate. J'ai pris qu'un paquet parce que dans le Swiffer Widget, vous avez déjà un liquide et 5, donc là, ça m'en fait 15, ça suffit. Ah non, j'en ai pris un autre. Je vous dis n'importe quoi. Ouais, je me suis vraiment emballée, vous pouvez le dire. Là, je pense que j'en ai pour un bon moment. Mais quand on voit le prix que ça coûte au vrai prix, franchement, voilà. Ensuite, j'ai repris donc deux bidons comme ceci de nettoyage. Alors là, c'est pareil, ça va me faire un moment. Sachant qu'en réalité, normalement, ça, c'est des bouchons qui ne se dévissent pas. Mais vous avez une astuce, il faut faire chauffer une casserole d'eau chaude. Et une fois que vous avez des bulles, vous plongez le bouchon à l'intérieur, ça va... décoller et vous pouvez l'ouvrir et le recharger d'eau avec du produit. Mais bon, là pour le prix, on était à 4,69€ normalement. Et donc du coup, je sais pas pourquoi il y a écrit anti-tabac. Vent de fraîcheur, freeze, brie. Ok. Et ensuite, donc pour les jours beauté. J'ai pris deux déodorants Rexona 72 heures, bouquet de fleurs antitranspirant sans alcool. Alors ça, on était à 5,90€, mais j'ai eu 2,95€ de remise immédiate. Ensuite, j'ai refait un petit peu le stock de shampoing sec Baptiste. Oui, c'est ça. Moi, j'en suis une très, très grande consommatrice. C'était 3,32€ le produit. Et vous aviez 1,33€ de réduction. Donc, clairement, ça valait le coup. Hein. Et ensuite, j'ai repris mon mascara habituel. Normalement, je le prends en classique. Là, je l'ai pris en intense noir. Et celui-là, il était normalement à 9,72€. Et vous aviez 3,90€ de réduction immédiate. Donc là, tout ce que je vous ai montré chez Leclerc, en tout, j'en ai eu pour 30,66€, sachant que de base, il y en avait pour 81,93€. Donc j'ai quand même eu 51,27€ de réduction. C'est juste excellent. Et ça me va très bien. Bref, bah écoutez, du coup, cette petite vidéo est maintenant terminée. Moi je pense que je vais vous retrouver, même c'est presque sûr, mercredi à 20h30 pour ma vidéo sur la décoration, parce que je sens que je vais le faire ce week-end. J'ai trop envie de me plonger dans le mode un petit peu cocooning de l'automne. En ce moment à la maison il pleut, tant mieux, parce que je peux vous dire qu'on avait vraiment 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 besoin d'eau.
Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous un plaid avec un petit chocolat chaud, un petit film d'automne, entendre la pluie tomber, s'allumer une petite bougie et c'est parfait. Mercredi, d'ailleurs, je suis hospitalisée de mercredi à vendredi, vous savez, pour ma sleeve. Enfin, si vous ne savez pas, vous allez le découvrir ici. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment ça va se passer, mais normalement, je vais vous le filmer. Ça sera notamment, je crois, l'épisode 3 ou 4 sur ma sleeve. Et on sera dans les derniers rendez-vous avant opération, c'est-à-dire que la prochaine vidéo sleeve qui sortira après ces 2 jours-là, eh bien, ça sera probablement le récit de mon opération. Et je peux vous dire que autant j'ai très hâte, autant je commence quand même un petit peu à paniquer. Mais c'est pas grave, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien. Et je sens que ça va être top, ça va être un renouveau. Bref, je vous laisse ici, je vous fais vraiment plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.